Une délégation officielle du gouvernement des Émirats arabes unis se rend pour la première fois en Israël. Les deux pays cherchent à étendre leur coopération après avoir signé un accord négocié par les États-Unis pour normaliser leurs relations le mois dernier. Les responsables israéliens ont déclaré que la visite serait limitée à l'aéroport en raison des préoccupations liées au coronavirus. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et l'émissaire pour le Moyen-Orient, Harry Belkovitz, se rejoignent à eux pour ce voyage. Ils ont également accompagné une délégation israélienne à Bahreïn dimanche pour une cérémonie de signature pour officialiser leurs relations.